Bonjour et bienvenue dans cette sixième vidéo de la série 12 semaines pour développer votre leadership. Est-ce que comme moi, par moment vous vous en voulez parce que vous n'êtes pas à fond? Est-ce que comme moi vous vous en voulez parfois parce que vous souhaitez lâcher prise et ne plus être dans la productivité à fond? Vous n'y arrivez plus. Est-ce que vous auriez envie de lâcher du lest mais que vous ne vous y autorisez pas? Bah oui, j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire, ça à faire, ça à faire. C'est énorme. Vous inquiétez pas, je connais ça. Est-ce qu'à l'inverse, vous avez parfois l'impression d'avancer au ralenti, que le temps est suspendu, que vous n'arrivez plus à avancer? Je connais ça aussi. Bon alors, je vais vous rassurer tout de suite, c'est tout à fait normal. Bien sûr, moi-même, j'aimerais être à fond tout le temps. J'aimerais bien atteindre mes objectifs avant la date que je me suis fixée. J'aimerais bien tourner 10 vidéos par jour. J'aimerais bien créer 2 formations par semaine et accompagner 4 personnes en coaching et travailler aussi sur d'autres thématiques qui me passionnent. Avancer encore plus dans mon contenu, en management, en leadership. Parce que je me connais, je suis capable de travailler de 7h du matin jusqu'à minuit en prenant une pause d'une heure pour manger le midi et encore devant mon écran, sans sortir de mon bureau, sans voir la lumière du jour, juste mon jardin par la fenêtre. Oui, comme vous, j'en suis capable. Alors je vais pouvoir faire ça 2, 3, 4 jours, parfois même une semaine. Mais je sais aussi que si je fais ça, la semaine d'après, soit j'attrape la crève, soit j'ai besoin de 12 heures de sommeil par jour pendant 3 jours. Puis en plus, j'ai plus aucune idée la semaine d'après. Je suis persuadé que vous connaissez cette situation. C'est pour ça que dans mon activité, j'alterne des moments de productivité intense et des moments plus lents. Je me balade en forêt, je fais des courses, je fais un peu de jardinage, je lis. Je fais des travaux chez moi, je passe du temps en famille. Enfin bref, plein d'activités qui me sortent de mon quotidien et du travail. Pourquoi c'est si important de s'aménager des moments lents? Pourquoi c'est si important de ne pas s'en vouloir d'être au ralenti? Simplement parce que c'est normal, parce que cette lenteur, ces moments lents font partie du processus créatif. J'en ai besoin et vous en avez besoin pour continuer à produire. Oui, je sais, c'est contradictoire. Pour être plus productif, il faut apprendre à être moins actif. Et c'est marrant. Souvenez-vous, lors d'un de ces moments lents, un de ces moments où vous lâchez prise, que vous faites carrément autre chose, eh bien, c'est là que vous avez les meilleures idées. C'est là que vous trouvez l'inspiration, justement, soit sur un problème que vous avez à résoudre, pour lequel vous n'aviez pas de solution, soit c'est à ces moments-là que vous trouvez les meilleures idées pour avancer dans votre business. Juste un petit tuyau. Les meilleurs moments pour moi, pour trouver l'inspiration, c'est la balade en forêt et prendre une douche bien chaude. Alors voilà, ne soyez pas étonnés si vous avez besoin de ralentir le rythme. Ne vous en voulez pas parce que c'est tout à fait normal. Apprenez à accepter et encore plus à apprécier ces moments lents parce que c'est ceux-là qui vous feront encore plus avancer dans votre développement. Alors cette semaine, aménagez-vous un petit peu de temps pour vous, pour faire totalement autre chose. Apprenez à sortir de la productivité pour être plus productif. Alors, comme toujours, n'oubliez pas de télécharger le livret d'accompagnement de cette série de vidéos. Dans ce livret, vous trouverez toutes les clés que je partage dans ces vidéos et vous prendrez un énorme raccourci. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour la 7e vidéo de la série. En attendant, prenez bien soin de vous, bien soin de vos proches et de vos équipes.